L'Église chrétienne Maranatha est présente dans des nations de tous les continents de la planète. Des églises des pays, dont les trois Amériques, Europe, Afrique, Asie et Océanie, connectées par la même doctrine, par la direction du Saint-Esprit de Dieu et unies par la parole vivante. Des frères et sœurs de toutes les parties du monde participent d'un même culte, ensemble, dans un même corps et dans un même esprit. À travers le système de transmission, les membres de l'Église chrétienne Maranatha de toute la planète vivent un moment d'unité et de communion, comme l'ont vécu les Hébreux à leur sortie d'Égypte, les disciples avec le Seigneur Jésus à la veille de sa mort à la croix du Calvaire. Des personnes de toutes les parties du monde sont touchées par l'Évangile éternel et par le message du retour imminent du Seigneur Jésus. Je salue à tous dans la paix du Seigneur Jésus. Nous sommes l'Église chrétienne Maranatha. Nous commençons maintenant une édition de plus de la programmation en annonçant l'Évangile éternel. Soyez bienvenus à cette programmation qui est préparée avec tout le soin, spécialement pour vous et pour toute votre famille. Nous arrivons à la fin d'une autre année. Le simple fait de faire ce constat, c'est en soi une bénédiction. Nous sommes vivants. Et ça, c'est la seule phase de notre existence où il y a la possibilité d'avoir une rencontre avec Dieu et entrer dans son projet merveilleux de salut. Le long de toute cette année, ici dans la programmation, nous avons partagé avec vous des messages et des réflexions afin que vous puissiez connaître ce projet et la possibilité d'avoir une rencontre avec celui qui a donné sa vie à la croix du Calvaire pour vous. Aujourd'hui, la dernière journée de cette année difficile avec tellement de problèmes vécus par toute l'humanité, mais c'est encore temps de réfléchir sur qu'est-ce que votre âme a vraiment besoin. Ouvrez votre cœur et commencez une nouvelle année avec une nouvelle vie, avec un amour incomparable de Dieu en agissant dans votre être. Et dans la promotion d'aujourd'hui, dans le volet Leçon du Manaïm avec le pasteur Daniel Morir et Serge Sauze, nous parlerons sur comment découvrir les mystères de la volonté de Dieu. Dans le volet Parfaite Louange, la sœur Janaïne Zumak va présenter un spécial de fin d'année avec plusieurs participations des élèves dans tout le Brésil. Dans l'étude pour les enfants et médias et adolescents, la professeure Barreto, dont la thématique Jésus, le mystère révélé, parlera sur l'expérience des disciples quand Jésus apaise la tempête. Assistez maintenant au volet Leçon du Manaïm. Maintenant, nous commençons la dernière édition du volet Leçon du Manaïm de cette année 2021. Nous avons eu jusqu'ici, nous avons vaincu, le Seigneur nous a bénis. Et encore une fois, pour ma joie, je reçois ici dans nos studios, les pasteurs Daniel Moreira et Sérgio Souza, la paix du Seigneur, la paix du Seigneur Josias, Sérgio, la paix du Seigneur à tous, le bien-aimé, paix du Seigneur Josias, Daniel et à tous. Quelle bénédiction! Comme vous avez dit, nous sommes ici soutenus par la main forte du Seigneur, affermis dans cette doctrine glorieuse. Jusqu'ici, le Seigneur nous a aidés. Gloire à Dieu. Très bien. Nous commençons toujours le volet de son du Manaïm en apportant ici les participations des messages qui sont envoyés. D'ailleurs, vous voyez un QR code qui apparaît à l'écran. Et
À travers ce QR code, votre appareil sera redirigé vers WhatsApp si vous pointez l'appareil photo de votre téléphone. Et vous pouvez nous envoyer un message en parlant sur l'importance du programme, ce que vous trouvez de cette formation, le volet leçon du Manaïm pour votre vie, la vie de votre famille. Je veux partager avec vous maintenant ce qui a été envoyé pour nous, pour notre frère Jonice Ribeiro de Bahia, de la ville Feira de Santana, à côté de Salvador. Donc, il dit, la promotion de la notion de l'évangile éternel est une bénédiction pour moi et pour ma famille. Nous nourrissons de l'apprentissage de la parole de Dieu et la découverte des mystères de cette parole à travers la révélation du Saint-Esprit. Merci, Evanilson Ribeiro, de Feira de Santana, dans la ville en Bahia. Et le QR code est à l'écran, vous pouvez participer de cette promotion en envoyant votre commentaire, en nous disant qu'est-ce que c'est le programme pour vous, l'importance de cette promotion de votre vie. Et avant d'entrer dans le sujet, et en profitant le moment que nous vivons à la fin de l'année, pour nous aussi, je voulais entendre de manière objective votre témoignage, faire cette promotion, chercher le sujet apporté ici. C'est une bénédiction. Oui, parce qu'en vérité, ça, c'est la plus grande bénédiction de celui qui a une expérience de salut en Jésus, c'est d'être en communion dans la présence de Dieu. Donc, réfléchir sur sa parole et voir les révélations que le Saint-Esprit donne. Et en vérité, cette programmation, quand nous le préparons, ce n'est rien de plus que s'approfondir un peu plus dans ce qui est révélé par le Saint-Esprit. Pour nous, c'est un moment de communion, d'édification, quand nous recevons ce retour des personnes, n'est-ce pas, qui nous envoient leurs commentaires, leur participation. Cela glorifie beaucoup le Seigneur, que cette programmation est un instrument dans les mains de Dieu. Beaucoup puissent comprendre encore mieux la parole du Seigneur. Nous glorifions le nom du Seigneur pour cette opportunité que le Seigneur nous donne. Gloire à Dieu. Très bien. Nous parlons sur les mystères, ou le mystère du salut, le mystère de la parole, le mystère du projet de Dieu, ce qui est nécessaire, nous avons abordé ici, nécessaire afin qu'on puisse vivre le véritable évangile, n'est-ce pas? Afin qu'on puisse. Pour vivre l'évangile, on doit avoir cette révélation. Mais la première chose dans cette action, dans cette recherche pour découvrir les mystères de la volonté du Seigneur, c'est de comprendre la réalité que le monde aujourd'hui vit. Quel est le scénario? Nous sommes enserrés. Et dans ce scénario, on vit ce scénario et on découvre aussi les mystères du salut, les mystères de la volonté de Dieu. Vous pourriez parler un peu sur ça? Oui, les personnes, les pays, les peuples, la ville, tout est très cyclique, n'est-ce pas? Aujourd'hui, vous avez un pays plus développé, après, un autre évolue. Après, ça va empirer en plus. Les personnes vivent des choses pires et meilleures et cette recherche incessante tout le temps, dans l'économie, dans la santé. Des fois, il y a des événements comme des tremblements de terre, une destruction, une pandémie, comme nous avons vécu encore tellement difficile, n'est-ce pas? Ça, c'est la situation du monde. Dans le point de vue humain, n'est-ce pas? Rationnel, scientifique. Maintenant, du côté spirituel, c'est différent, n'est-ce pas, Daniel? Oui, dans le sens spirituel et prophétique, en vérité, il y a une position déjà définie par le monde. Y compris la parole du Seigneur parle sur ça. Il y a un texte, n'est-ce pas? En 1 Jean chapitre 5, verset 19, qui dit. Nous avons demandé ici, voilà, il est projeté ici. Nous savons que nous sommes de Dieu et que tout le monde est mis dans le malin. Ça, c'est la situation du monde aujourd'hui.
Comment sortir de cela? Comment survivre spirituellement au milieu de ce monde? Ça, c'est une question importante et pour celui qui a l'intérêt dans l'éternité. Mais pourquoi, avant que tu répondes, c'est important ici appeler l'attention parce que cette situation, je veux dire, spirituelle du monde ne va pas améliorer. Nous pouvons avoir des améliorations d'autres aspects de la vie, comme nous avons avant déjà cité. Ça, c'est prophétique. Dans les derniers jours, l'iniquité, c'est-à-dire le péché, serait multipliée. C'est ce que nous sommes en train de voir. L'amour allait se refroidir. Donc tout cela se trouve dans un scénario prophétique. L'homme serait chaque fois plus aimant de soi-même, avec ses propres intérêts. Maintenant, comment nous avons survivre cela, Daniel? Seulement en ayant une expérience avec le mystère de Dieu et en vivant la parole révélée. Une fois que le chrétien, il n'appartient pas à ce monde. Nous pouvons même projeter un autre texte, la parole, qui parle sur cela. Jean 15, 19, qui nous dit, si vous seriez du monde, le monde aimerait ce qui était à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, avant, je vous ai choisi du monde. C'est pour cela que le monde vous abomine. Cette expression de la parole de Dieu, elle est très intéressante. Et se rajoute à ce que vous avez dit d'un point de vue humain, d'un point de vue social, d'un point de vue technologique, de tous ceux qui touchent la vie humaine, la recherche. Nous voyons des avancées tous les jours. Nous voyons qu'il y a des choses qui tournent la vie plus simple. Et donner cette situation que vous avez vue. Et la pandémie, cela est une réalité du monde. Aux yeux humains et sous diverses optiques, il améliore ou il se dégrade. Mais d'un point de vue spirituel qui est biblique, le monde, il entre dans une décadence continue et l'Église, elle a cette perception et son rôle, comme le texte nous dit, n'est-ce pas, Daniel? J'aimerais faire une parenthèse ici, Josias et Sergio, pour expliquer à ceux qui nous assistent. Des fois, ils ont une connaissance plus grande de la parole de Dieu. Qu'est-ce que c'est l'expression monde dans l'aspect spirituel? L'expression monde dans l'aspect biblique, spirituel, prophétique, c'est un consortium. C'est une union de la chair avec l'adversaire. Le monde, il est mis dans le malin, dans l'adversaire. Donc, quand il dit ici, parce que vous n'êtes pas du monde, c'est-à-dire ceux qui sont fidèles, chrétiens en Jésus, ils n'appartiennent pas à l'adversaire, ils ne sont pas dominés par les œuvres de la chair, par les passions de la chair. Donc, à l'intérieur de ce contexte, sur un point de vue de projet de salut, il y a un besoin que l'homme puisse connaître et découvre le mystère, de vivre une expérience avec Dieu. Oui, parce que le mystère, comme vous venez de dire, est celui qui est occulté et a besoin d'être révélé. Il doit être révélé par le Saint-Esprit. Et cette révélation, elle se fait seulement à partir d'une action qui vient du haut, éternel, du propre Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que ce mystère, quand on parle de mystère, de ce qui est occulté, donc il y a quelque chose que la science découvre. Ça, c'est scientifique, ça, c'est humain. Sans l'action du Saint-Esprit, c'est ça, c'est la science. N'est-ce pas? C'est la raison de l'homme, la connaissance humaine. Et l'évangile, le propre évangile, sans ce mystère, sans l'action du Saint-Esprit, il peut avoir d'autres titres, comme christianisme, religion, mais ce n'est pas l'évangile de Jésus. Je vais demander ici deux textes dans la séquence afin que vous puissiez commenter Éphésiens chapitre 3, versets 3 et 4, et après on va lire dans la séquence le verset 9 de ce même chapitre. Dans Éphésiens 3, 3 et 4, il dit, comme ce mystère m'a été manifesté par la révélation, comme je vous ai écrit d'ici peu,
Quand vous lisez, vous pouvez vous apercevoir ma compréhension du mystère de Christ. Maintenant, Éphésiens 3, 9. Et démontrer à tous quelle est la dispensation du mystère qui, depuis les siècles, était occultée en Dieu, que tout a créé. Dans ce contexte, j'aimerais que vous puissiez commenter ce texte. Je vais juste ponctuer ici, Daniel. C'est que nous n'avons pas comment exclure de l'évangile, d'une expérience genuine que l'homme a besoin d'avoir avec Dieu par la foi en Jésus. Nous n'avons pas moyen d'exclure ce mystère, c'est-à-dire la portée de ce qui est occulté. L'évangile d'une vérité unique. Il n'existe pas de vérité par rapport à l'évangile, par rapport au projet de salut. Il existe une seule vérité, qui est Jésus. Jésus n'est pas un chemin, un des chemins, mais l'article est défini. Je suis le chemin. Gloire à Dieu. Alors, allons maintenant voir quelques exemples de la parole de Dieu. Cette expression mystère que nous utilisons dans la dernière édition du Coran, mais ça c'est très important parce que c'est une séquence, l'école biblique dominicale. Très bien mis. Mais l'intéressant, c'est que celui qui ne connaît pas, pour lui, en effet, c'est un mystère. La grande merveille de la révélation du Seigneur Jésus, de la parole, c'est d'apporter à l'homme la connaissance, ouvrir les yeux afin qu'il puisse connaître ce qui est occulté. Il y a quelque chose occulté qui, quand on découvre ce quelque chose, quand on touche ce mystère, l'homme, et il passe à vivre l'expérience de salut, il y a la certitude du salut comme évidence du salut. Donc, nous allons lire ici quelques exemples bibliques de la révélation du mystère où le Seigneur Jésus, plusieurs fois, il a révélé à ses disciples ce mystère comme un exemple. Nous allons lire un texte en Marc 4, 41. Quand Jésus, il apaise la tempête, ils ont senti une grande crainte et disaient les uns les autres, « Mais qui est celui qui même le vent et la mer l'obéissent? » Donc, quel est le contexte et quelle est l'application prophétique de ce texte pour nous? Regardez bien la question. Qui est celui qui même le vent et la tempête obéissent? Et il marchait avec Jésus. Il vivait avec Jésus. Donc, ils avaient vu beaucoup de signes et ils ne savaient pas qui était Jésus. Jésus était là, à côté d'eux. Mais les disciples, il n'avait pas encore la pleine compréhension de qui était Jésus, n'est-ce pas? Donc, qui est celui-là? Qui même le vent et la mer l'obéissent. Alors, pour aider un peu à ceux qui assistent, qui peut-être ne savent pas encore, Jésus invite les disciples pour traverser la mer de la Galilée. Il y a eu une tempête. Jésus donc apparaît. Ils étaient tous dans un bateau. Et là, il y a un ordre du Seigneur Jésus afin que tout cela se calme et la nature a entendu cet ordre de Jésus. Vent, calme-toi, la mer, calme-toi. C'est le Seigneur de l'ordre de la création. En utilisant sa prérogative de roi des rois, Seigneur des seigneurs, mais pourquoi Jésus? Il avait déjà exposé que lui-même comme un homme, il était comme Christ, le Fils de Dieu, l'envoyé, le Sauveur, le Messie. Donc, s'il était comme il est, le Fils de Dieu, qui est venu ici apporter le salut, il pouvait tout, il peut tout. Mais eux, malgré cette intimité qu'ils avaient, ils ne connaissaient pas. Il y avait quelque chose à être révélé. Toujours quand je regarde ce texte, Sergio, j'ai l'habitude de dire, Jésus a apaisé deux tempêtes. La visible, qui était le vent, la mer, et l'autre, qui était à l'intérieur de leur cœur, la tempête de l'affliction.
la tempête de la peur, la tempête de l'angoisse. Donc, ce mystère, ce Jésus révélé, il a calme la tempête à l'intérieur du cœur de l'homme. Quelle merveille! Ah, la deuxième situation biblique, c'est la situation vécue au moment de la Sainte Cène, à la veille de la crucifixion, Seigneur Jésus, Matthieu 26. Nous allons voir quelques parties de ce passage biblique, Matthieu 26, 26, 28. Jésus a pris le pain et a dit, ceci est mon corps, prenez la coupe, parce que cela est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, Nouveau Testament. Comme vous avez dit, Daniel, c'était la période de la Pâque. C'était une fête qui se passait annuellement à Jérusalem, où les Juifs se rappelaient, donc des siècles en arrière, la délivrance d'une vie d'esclavage en Égypte vers la terre de Canaan. C'était le passage d'Égypte vers la terre promise. Et dans cette fête, quelques-uns des éléments, c'était quoi? Les familles devraient se réunir. Il y avait l'agneau rôti dans le feu, des herbes amères et le pain. Jésus a dit, on va préparer la Pâque. Au moment de la Pâque, au moment de servir, j'ai aucun doute. Ils imaginaient, parce qu'ils étaient juifs. Donc, ils étaient habitués à célébrer comme toujours. Mais Jésus ici, il révèle quelque chose qu'ils ne connaissaient pas. Il enlève les herbes amères et remplace par le vin. Parce que l'herbe amère, c'est la souffrance qu'il allait subir au jet de la croix du calvaire. Et à la place de la souffrance, de l'amertume, il nous a donné le vin, qui est la joie du salut. Ça, c'est prophétique. Ça, c'est un mystère. Donc, il commence, n'est-ce pas, Sergio? Il commence à révéler le mystère des éléments fondamentaux, qui est le corps et le sang. Très important. Un parallèle prophétique notable que le Saint-Esprit seulement révèle le mystère qui est Jésus à celui qui a communion avec le corps. Et seulement en faisant une rapide, un résumé rapide, les trois éléments, les herbes amères, Jésus a pris sur lui la croix, nos douleurs, le péché. Ce que le prophète Isaïe avait prophétisé. Le pain, il a gardé parce que il a dit dans un moment donné, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Donc le pain était le type de son corps qui allait être déchiré, n'est-ce pas? Et l'agneau n'avait plus besoin parce qu'il était l'agneau de Dieu. Israël sacrifié à la Pâque, c'était pour le péché de chaque famille, chaque homme. Maintenant, Jésus est oh, le monde. À celui qui confesse, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ça, c'est un mystère. Un mystère, et c'est important de dire, je sais, à ce que ce mystère, exactement dans ce passage, il est vécu par l'Église qui a le Saint-Esprit tout le temps, tous les jours. C'est intéressant que la Sainte Cène, c'est un événement relativement commun. N'est-ce pas? Se passe plusieurs fois. Donc, manger un petit morceau du pain, boire la coupe, devient une expérience récurrente dans la vie de chrétien. Mais afin qu'il puisse avoir une expérience avec le mystère, il doit aller au-delà de cette action physique, de manger cet élément, de manger du rituel, n'est-ce pas? Il passe à être ce moment, un moment de profonde communion, un moment d'une expérience avec le Seigneur, un moment impair, chaque fois que le serviteur participe de la Sainte Cène à donner ce mystère. Allons-y voir ici, Jean 20, 16, une autre expérience qui aussi traduit la révélation. Et Jésus leur a dit, Maria, elle, en se retournant, a dit, Rabboni, qui veut dire maître. Ce scénario ici, c'est le scénario de la résurrection du Seigneur Jésus. N'est-ce pas? Le premier jour de la semaine, les femmes sont allées au sépulcre,
on retrouvait le sepulcre vide, la pierre retournée, et une de ces femmes, Maria, a cette expérience avec Jésus, donc se montre à elle, se révèle à elle, il lui parle, et ça c'est l'expression de Jésus et son expression à elle. Donc Maria, à ce moment-là, elle avait vu le corps, elle a vu que le corps n'était plus de... Elle pleurait la mort. Et elle a dit, on a amené mon Seigneur. Le corps qui était sépulté, où est le corps? Et soudain, le Seigneur Jésus commence à lui parler. Mais elle ne l'identifie pas. Donc nous voyons, c'est intéressant parce qu'elle avait convécu pratiquement 3 ans avec Jésus. Et maintenant, on commence à lui parler et elle ne sait pas qui était Jésus. La voix, la manière de parler, il était là. Et elle ne connaît pas. Mais il y a un moment, exactement, il y a un moment où il y a la révélation qu'elle touche quelque chose qui était occulté, qui était sa résurrection. Jésus n'était plus au sépulcre. La croix ne l'a pas retenu. Il est vivant, il est ressuscité. C'est intéressant que dans ce passage, les anges qu'elle a vus, les anges posaient la question, pourquoi tu pleures? Et là, vous avez amené mon Seigneur, où vous l'avez mis? Et là, elle se retourne, voit Jésus, elle l'a confondu avec le jardinier. Et la question de Jésus est différente des anges. Les anges ont demandé, pourquoi tu pleures? Jésus a dit, pourquoi tu pleures? À qui tu recherches? Donc, le Seigneur Jésus, elle était en train de pleurer, elle cherchait le Seigneur Jésus et elle ne trouvait pas. Et Jésus, il connaît la raison du pleur de mon cœur, de votre cœur. Et quand il appelle par le nom, par son nom, elle touche le mystère là, à ce moment-là. Parce que le Seigneur s'est révélé, n'est-ce pas? Là, le Seigneur, quand il a dit « Maria », là, à travers la citation de son nom, son prénom, il se révélait. Je suis vivant, j'ai ressuscité. Et là, elle répond, Rabboni, maître, n'est-ce pas? Donc, il n'existe pas d'expérience de salut sans la révélation de Jésus. Salut est biblique, genuine. Jésus a besoin de se révéler à l'homme. Doit se révéler à l'homme. Intéressant qu'après la résurrection, Jésus s'est révélé à l'Église. Il est apparu à ceux qui étaient chrétiens, lui. Il y a besoin dans ce texte, dans cette expérience, le mariage, n'est-ce pas? Pourquoi vous cherchez celui qui vit? Pourquoi vous cherchez parmi les morts celui qui vit? N'est-ce pas? Pourquoi tu pleures? L'homme qui n'entend pas la voix de Jésus, son âme n'est pas consolée, n'est-ce pas? C'est inconsolable. La propre expression Maria, c'est une expérience personnelle. C'est je te connais, je sais qui tu es, je connais la raison de ton pleur. Quand Jésus l'appelait par son nom, n'avait pas de doute, c'est avec toi, c'est avec vous. Jésus, il veut parler, la personne n'entend pas. Peut-être vous êtes en train de chercher Jésus parmi les morts. C'est-à-dire, pendant que vous vivez quelque chose d'historique, Jésus est vivant. Il veut vous parler aujourd'hui, il veut agir dans votre cœur. Il vous appelle par le nom comme il a appelé Maria. Le mystère sera révélé. C'est le message que nous sommes révélés pour le 25, n'est-ce pas? Nous avons prêché. Il y a 2 manières de se connaître Jésus. Vous pouvez connaître Jésus historique, mais ceux qui vous avez besoin de connaître le mystère, Jésus prophétique, Jésus ressuscité. Gloire à Dieu. On va appeler encore un texte ici, dans ce contexte que nous abordons ici, les expériences bibliques, la découverte du mystère, de les 2 disciples du chemin d'Emmaüs. Donc Luc, chapitre 24, 30 et 31. Il s'est passé que quand ils étaient à table avec eux, en prenant le pain, il a béni, il a rompu et il leur a donné. Leurs yeux se sont ouverts, ils ont connu, et lui, il a disparu de devant eux. Ça, c'était quelle était la révélation du mystère ici? Pendant quelques heures, les 2 disciples voyageaient à côté de Jésus. Observez, ils étaient des disciples.
Ils ont vécu avec Jésus, mais pendant quelques heures, ils voyageaient à côté de Jésus. Ils lui ont parlé, mais ils n'ont pas connu. Comment? Ils sont allés au point de questionner, tu ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé à Jérusalem? Mais quand ils sont arrivés à Emmaüs, Jésus, il a fait comme s'il allait plus loin, il a invité, reste avec nous, parce que c'est déjà tard. Le jour est décliné. Jésus n'a jamais rejeté une invitation. Peut-être cette invitation vous est faite aujourd'hui. Peut-être votre vie passe un moment de ténèbres. Parce que la journée c'est fini, n'est-ce pas? Le soleil s'est couché. Peut-être la nuit est arrivée chez vous. Mais vous pouvez inviter, reste avec moi, Seigneur, reste dans la maison. Et dans cette invitation, la Bible dit que dans le partage du pain, le mystère a été révélé. Jésus est entré dans nos maisons. Et quand Jésus a rompu le pain, le geste de rompre le pain, donc c'est lui, c'est que lui qui sait rompre le pain comme ça. C'est lui qui sait distribuer le pain comme ça. Le mystère n'est connu que dans le partage du pain, dans le corps où Jésus se révèle. Si vous prenez l'expérience de Marie, a été un nom. L'expérience personnelle de salut, expérience personnelle. L'homme doit avoir une expérience personnelle. Dans le rompement du pain ici, c'est la communion. La table parle de la communion. Les deux communions, exactement. Là, c'est déjà dans le partage du pain, le mystère a été révélé. C'est intéressant que quand leurs yeux se sont ouverts dans le partage du pain, Jésus a dit, voici le Seigneur, ça c'est Jésus. Ils ont commenté entre eux une chose. Quand on était dans la ville, à côté de Jésus, nous ne savions pas qui était lui, mais nos cœurs brûlaient. Peut-être la personne aujourd'hui, Daniel, des gens qui participent de la formation aujourd'hui, où leurs cœurs sont en train de brûler. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? C'est la soif de Dieu, la soif de la parole du Seigneur, l'opération du Saint-Esprit. Donc, il doit faire l'invitation, Seigneur, entre dans mon cœur, reste avec nous. La journée s'est terminée. La journée pour beaucoup s'est déclinée. La nuit est arrivée, avoir Jésus à la maison, c'est meilleur. Daniel, ça c'est la dernière édition du volet Leçon du Manaïm. Nous allons parler sur le mystère, sur la révélation, sur le salut, sur ce qui est disponible, ce qui est offert à tous ceux qui nous assistent. J'aimerais que vous puissiez laisser un message à ceux qui nous regardent maintenant à propos de ce moment, à propos de ce que le Seigneur a pour vous. Bien-aimés, nous sommes dans un moment de décision. Le Seigneur Jésus, il est aux portes pour apporter l'Église fidèle. Il est nécessaire, il est essentiel que chacun de nous, nous soyons prêts pour le retour du Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus, il veut préserver notre foi et le salut. Et cela est fait par l'action du Saint-Esprit, qui est celui qui révèle le mystère de Dieu. Le plus important dans le choix de l'homme, c'est la valeur que l'homme donne à ce salut, à cette élection que lui il reçoit par la grâce de Dieu. Comment va ma vie devant Dieu? Comment va votre vie devant Dieu? Nous avons besoin d'être prêts. Comme si l'appel, comme si l'enlèvement est aujourd'hui, maintenant. Reçois cette parole, cette invitation, comme un avertissement, comme un éveil, comme un positionnement.
que le Seigneur, il souhaite que vous ayez devant lui. Amen. Je vais apporter ici rapidement des commentaires qui ont été envoyés à propos de ce sujet que nous traitons. Et ces commentaires, ceux qui ont participé, ils ont participé, vous allez utiliser ce code à l'écran, à travers eux, vous pouvez répondre et participer du contenu de la semaine prochaine. Nous allons lire le commentaire d'Ezélie, de Carlos Torres, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Il dit, l'évangile est le mystère qui peut être révélé seulement par le Saint-Esprit. L'évangile offre le pardon et réconciliation à travers la repentance et en cela se révèle la grâce de Dieu qui est le mystère. Donc, Zélie de Carmo, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Maintenant, au Nord-Est, passion de Paul Ribeiro, elle est de Recife. Il dit, un mystère est le grand amour de Dieu Père que a donné la vie de son Fils unique pour notre salut. L'accès à ce mystère est à travers la révélation du Saint-Esprit. La participation de Paul Ribeiro de Recife, Pernambuco. Le QR code est à l'écran. Si vous pointez la caméra de votre smartphone, vous allez être redirigé vers une messagerie WhatsApp et vous allez voir la thématique de notre prochain programme. Vous pouvez faire votre commentaire. Je veux dire au revoir aux frères qui sont là. Vous souhaitez un heureux 2022. Que Dieu nous bénisse beaucoup dans cette nouvelle année. Amen. Merci. Et à Dieu d'abord de nous avoir soutenus pour cet appel, pour l'œuvre du Saint-Esprit. Et je souhaite à tous un bon 2022. Nous louons à Dieu pour cette programmation, pour sa gloire, être un instrument d'édification, de bénédiction à beaucoup de familles, beaucoup de personnes, pour l'opportunité que Dieu nous a donnée, n'est-ce pas, cette année. Nous avons pu avoir Josias dans cette programmation et nous souhaitons à tous, nos bien-aimés, ceux qui nous entendent, nous souhaitons à tous un heureux 2022 rempli de bénédictions dans la présence de Dieu. Maintenant, nous allons chanter une louange au Seigneur. Et dans la séquence, vous assistez le volet Parfaite Louange. Et na sequência, você assiste au quadro Perfeito Louvor. Oh,
La paix du Seigneur Jésus, aux frères et sœurs. Aujourd'hui, dans le volet parfait de louange, nous avons préparé avec beaucoup de soin une édition spéciale. Nous arrivons à la fin de nouvelle année et nous pouvons dire que jusqu'ici, le Seigneur nous a aidés, nous a soutenus. Et à travers l'opération merveilleuse du Saint-Esprit, nous sommes en train de ramasser beaucoup de fruits. Résultat merveilleux. Nous allons maintenant, avec beaucoup de joie, partager quelques témoignages avec des expériences vécues le long de cette année, en commençant avec la jeune Anne Carolina. La paix du Seigneur Jésus, mes frères, je m'appelle Anne Carolina, je suis du gouverneur Valadares, Minas Gerais. Je suis ici aujourd'hui pour raconter une expérience que j'ai eue, qui a commencé le jour de mon baptême. Il y a une révélation que beaucoup de cadeaux étaient donnés. Et le cadeau que moi je recevais, c'était une flûte en or. Au début, je pensais que c'était la flûte douce que je devrais jouer. Après, je commençais à penser que c'était pour jouer la flûte transversale. Ce projet est utilisé et à travers donc, le volet Parfaite Louange, je commençais à apprendre. Et je commençais à enseigner mes frères. Et le Seigneur m'a fait rappeler de la flûte en or. Alors j'ai acheté quelques flûtes, j'ai laissé garder quelques temps. Et 2 ou 3 mois, j'ai commencé avec un projet de mon église à enseigner les autres frères et sœurs, dans d'autres églises aussi, des enfants viennent pour apprendre. Louer sur le nom du Seigneur Jésus pour cela, la paix du Seigneur. Quelle bénédiction merveilleuse! Nous voyons que le Seigneur, il a des péchés pour instruire, utiliser avec la connaissance instrumentalité de nos jeunes. Gloire à Dieu. Mais ce n'est pas seulement à eux, à nous tous. Comme aussi nos frères et sœurs intermédiaires et adolescents. Et il a éveillé ce désir de servir à l'intermédiaire Maria Eduarda qui va nous raconter son expérience. Nous allons entendre. La paix du Seigneur, mes frères. Je m'appelle Maria Eduarda, je m'appelle Isabella, nous sommes de l'église de Rio das Ostras, no Rio de Janeiro. Avec la pandémie, les cours d'instruments à l'église s'est arrêté et on a commencé à prendre la flûte douce avec ma sœur. La paix du Seigneur, mes frères, et nous te saluons, la sœur Janaïne. Quelle bénédiction. Donc, je vous salue toutes les deux aussi. Mes frères, c'est un grand privilège d'être dans la présence du Seigneur. On pouvons usufruir de la direction du Saint-Esprit dans cette œuvre. Nous avons eu récemment un séminaire béni pour les professeurs. Et nous sommes en train de dire, nous voici. Les professeurs de l'église dans la ville de Armação dos Búzios, au Rio de Janeiro, ont compris l'enseignement de Parfaite Louange et ont développé dans leur église une petite bande et elles sont émerveillées avec le résultat. Nous allons assister à la petite orchestre d'Armação dos Búzios, une ville à Rio de Janeiro. Quelle merveille! La parole que nous avons dans notre cœur dans ce moment est de gratitude pour tout ce que le Seigneur Jésus a fait parmi nous. Et nous pouvons dire, nous allons lire ensemble, des grandes choses le Seigneur a fait pour nous. Et pour cela, nous sommes heureux. Gloire à Jésus! Nous arrivons à la fin et nous voulons dire
que nous allons continuer donc ici affirmer avec l'enseignement des louanges et nous comptons avec la participation de vous tous. Je vous salue chaleureusement et à la prochaine semaine. La paix du Seigneur Jésus. Vous avez déjà pensé de combien de moments difficiles nous avons vécu cette année? Nos frères et sœurs sont allés au pied du Seigneur pour demander qu'il nous aide à passer par un moment difficile. Mais je suis certain que dans chacun de ces moments, le Seigneur Jésus a été présent. Ainsi comme quand les disciples traversaient la mer, il y a eu une grande tempête. Dans l'étude pour les enfants intermédiaires et adolescents, le professeur Rubia Barreto parlera sur cette expérience. Et dans la thématique « Jésus, le mystère révélé », elle va nous parler sur l'expérience vécue par les disciples et quand Jésus a calmé la tempête. Bonjour. Est-ce que vous allez bien? Je salue à tous qui nous assistent, spécialement les enfants, intermédiaires et adolescents, dans la paix du Seigneur Jésus. Le sujet de notre étude est « Jésus calme la tempête ». Pour ceux qui ne savent pas, la tempête, c'est quand nous avons des gros vents, des coups de tonnerre, beaucoup de pluie. Donc, on a peur juste de voir. Imaginez d'être au milieu de la tempête. C'est ce qui s'est passé avec les disciples. Donc, nous allons commencer notre étude en lisant un texte de la parole qui se trouve dans Luc, chapitre 8, verset 25. Et eux, ayant peur, se sont émerveillés en disant les uns les autres, « Qui est celui qui même les vents et à l'eau, il commande et il les obéissent ?» Le Seigneur Jésus, une certaine fois, était dans un bateau dans la mer de Galilée. Regardez, les disciples, ils étaient des pêcheurs, des hommes qui savaient naviguer. Donc, ils conduisaient le bateau. Et Jésus, il s'est endormi. Soudain, une grande tempête est apparue, au point que les vagues passaient par-dessus le bateau. Imaginez la peur qu'ils avaient eue. Ils pensaient qu'ils allaient mourir. C'est là qu'ils se sont rappelés que Jésus était dans ce bateau. Gloire à Dieu. Ils sont courus et ils ont clamé, « Seigneur, sauve-nous, car nous périssons. Nous allons mourir. » Ils savaient que sans Jésus, si Jésus ne les aidait pas, le bateau allait couler. Ils allaient mourir. Quand ils ont vu l'affliction, l'angoisse des disciples, Jésus a dit, « Pourquoi vous avez peur, les hommes, de peu de foi ?» Jésus alors s'est levé, et a repris les vents, la mer, et tout s'est accalmé. Loué soit le Seigneur. Les disciples se sont émerveillés en disant, « Qui est celui qui même les vents et la tempête, il commande et il les obéissent ?» Regardez bien, les disciples, ils avaient déjà vu Jésus guérir les personnes,
donner la vie à ceux qui étaient morts déjà, donner la vue à des aveugles, le paralytique, marcher, multiplier le pain et beaucoup d'autres merveilles. Mais même s'ils ont vu tout cela, ils n'avaient pas découvert un secret. Si Jésus est à notre côté, il n'a pas de raison d'avoir peur. Lui-même, il nous a dit, c'est écrit dans le livre de Psaume, chapitre 91, verset 15, « Il m'invoquera et moi je lui répondrai. Je serai avec lui dans l'angoisse. Je le délivrerai, je le glorifierai. » Mes bien-aimés, des fois, le Seigneur, il permet qu'il se passe des choses qui nous préoccupent, qui nous attristent. Ce sont les tempêtes de cette vie. Par exemple, quelqu'un de la famille tombe malade ou perd le travail, des difficultés d'apprendre les matières à l'école, des confusions dans la maison et d'autres choses. Ainsi comme les disciples, nous aussi, nous devons comprendre ce mystère. Si Jésus est avec nous, il n'a pas à avoir peur. Jésus viendra bientôt. Il veut que toutes les personnes du monde puissent avoir une expérience avec son pouvoir. Jésus est le Seigneur de la vie. C'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Seulement lui, il n'y a plus personne, a été donné le pouvoir sur la terre et sur le ciel. Si vous passez par des problèmes, n'oubliez pas, clamez par secours à Jésus. Et lui, il vous aidera. Amen. À tous, la paix du Seigneur et à la prochaine étude. Je veux vous inviter à vivre une expérience merveilleuse que dizaines de milliers de personnes ont déjà vécue. Je veux vous inviter à utiliser le projet d'assistance spirituelle de l'Église chrétienne Maranatha. Cette ressource est complètement gratuite. Vous devez seulement faire un appel. Et je reprends, c'est gratuit. Vous pouvez appeler toujours quand vous voulez pour ce numéro qui apparaît sur l'écran 0800-707-376. Et encore, nous n'allons pas vous demander des contributions financières, ni même une offrande. Vous allez recevoir une prière, une parole de la part du Seigneur Dieu. Si vous souhaitez, il suffit de pointer l'appareil photo de votre smartphone vers le code qui apparaît à côté du numéro. Votre appareil sera redirigé vers cet appel. Appelez maintenant si vous le souhaitez. Je vous invite à accéder à nos réseaux sociaux et télécharger les applications de l'Église chrétienne Maranatha et de la radio Manaïm. Entendez des louanges, des messages publics 24 heures par jour et partagez nos contenus. Accédez aussi au canal de l'Église chrétienne Maranatha sur YouTube et ne ratez pas notre programmation. Une, c'est toute spéciale, c'est l'école publique dominicale qui est diffusée tous les dimanches à 10 heures du matin au Brésil. Et ainsi, nous arrivons à la fin de cette dernière édition de l'année de la formation en annonçant l'Évangile éternel. Mais la semaine prochaine, si Dieu nous permet, nous serons ensemble encore une fois. Je vous souhaite un heureux, bonne année. Maranatha, le Seigneur Jésus vient.